Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'un. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Oui, madame, on a GCAM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, Nazana et Sembakoué Babino, Ebile Nabolandi, Etando Nabino, GCAM Télévision, P, émission Nabino préférée, Debout Congolais, Bupa Union Sobozoni, à travers Mokili Mobimba, Samba Olunga, Ape Sibino Matoun Domingi P, bon début des semaines. Justice Yanzambe et Ratakate, Justice Yanzambe, mon côté, Aïcha Paka, na contrôle nango, ezaba maître mo ekoti sakabiso na émission o elingo lobaete, yebaka kosala kaka malamu parce que nyon soto posaka komba acte, ezali comptabilisé, tôt ou tard tu finiras par payer les prix de ce que tu fais. O nyon soza kosala ato salango ya kobatama, ato salango nanko, na loma, pe na makasi nyon solobi muta kostope wazate, sache-le que un jour, tu les regretteras. Il n'est pas tard pour faire du bien. Il n'y a que des idiots qui ne changent pas. Voilà actualité Nabiso Yamukola Lelo lundi après trêve Oyo. Yaba émission Asika. Nazungele Bino, Nabasango Nabiso à la une. Tomoni Belgique est rejeté. Désignation Ya Vincent Karega comme ambassadeur. Na roi Ya Rwanda. Na kati ya royaume ya Belgique, décision wana ezali justifiée na nini? Po na nini royaume ya Belgique baboyi Vincent Karega qui venait de la République démocratique du Congo, toujours pour se rappeler que ezali na fin 2022 des République démocratique du Congo suite ya ba tension na Rwanda et décida qui pour renvoyer ambassadeur Rwanda. Mais Kagame Paul président ya Rwanda atinda kiye na Belgique banda atinda mukanda pour na informer bango ke ezali nde bongo Vincent Karega réponse atikala kozwa ngote sika awa azure réponse le royaume de Belgique baboyi Vincent Karega. Nous allons à travers ce numéro savoir le pourquoi de cette décision. Nous reviendrons sur le parcours de cet ambassadeur oyo azali na passé moko jugé sombre. Actualité en balé tout le bela awa, ils allaient faire toujours comme Mabiso Nangamu ya Rwanda. À la veille, il y a 9e jeu, il y a francophonie que vous allez organiser dans la République démocratique du Congo. Tout le monde qui est installation, nous sommes presque prêtes, le décor est déjà planté. Ma question, ils allaient autour, il y a secrétaire général, il y a francophonie que vous allez, Madame Louise Mushikiwabo. Le gouvernement congolais qui nous sikoyo basically ko pesa ye invitation te est-ce que ils allaient ko kende à l'encontre ya ba règle ya lingomba wana est-ce que tension entre République démocratique du Congo na Rwanda et ko sala été azala te topé gouvernement République démocratique du Congo ba se peli ba s'en passer na boye na ye pona lancement ya ba je wana. Nous y reviendrons dessus. L'actualité, c'est aussi Martin Fayulu qui annonce sa marche et un meeting pour le 29. Le 29 juillet, Oyo, Martin Fayulu a proposé Mars Naye, déjà Mukande, c'est côté na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Tu es baillé, tu es allé proposer que ça la marche Naye parce qu'il n'abdique pas par rapport à la situation. Oyo, ils allaient, Mboka, République démocratique du Congo, ils allaient traverser. Batumusu bazali komona ngo de mauvaise aile parce que batbaza komituna pourquoi encore ce temps que cherche réellement Martin Fayulu. Martin Fayulu vous répond que na moment oyo ce qui fiché ya solo ezalité audité par un auditeur externe ou bien azali indépendant, ça veut dire ils n'iront pas aux élections. Et puis il ba satalisa ki que makambo ezali ko senga été le solo est là parce que ba élection ko ko salima na ba condition ko été toujours na cadre wana ba élection ba voix ezali ko se multiplier
par rapport il y a ben élection, par rapport il y a contexte politique sécuritaire, bavoana ezali kosinga été dialogue et salema pour aplanir les divergences, pour trouver un climat apaisé et pour permettre que l'élection et salema malam. Yango dialogue comme la culture ya ba congolais, dialogue ndenge to yebeli ya mona ba cadre politique ezali ko se profiler à l'horizon. Que nous cache ce dialogue encore pour une fois au bazali ko yela biso. Et outi na nord, na sud, et outi initiative et outi wap. Na Congo tout de l'extérieur. Vraiment j'ai choisi de revenir dans cette actualité pour parler de ces dialogues là que vous entendez par-ci par-là, banani bazali pour planifier un mot ezali pona mini. Je vais encore vous rafraîchir la mémoire pour tout le bela mouke visite il y a président il y a Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso oyo aranda qui visite na homologue na ye Rwanda Paul Kagame kouta kuna avali vraiment na regard moko admiratif. Il y a système rwandais, gouvernance, il y a des agriculture dans le monde des Ali. A loué, Moussala, Malamu, Oyo, Kagame, Azali Kosala, non seulement dans le continent, mais aussi pour son peuple. Ce qui n'est pas bien vu, Nangamu Nabiso, banalise, aussi, Oyo Kiamomingi, Makambo Ezali, je vais aussi revenir là-dessus. Potoye, ba, ko lobela yango. Pona bosuki si ba député belé ba tie ba membre ya ba famille na bango comme ba suppléant na bango. Donc bokomona awa un petit échantillon bomona ndenge makambo ezali koleka na République démocratique du Congo ba député bazali ko tcha mingi mingi ba membre ya famille na bango po bazala bato yo baza choisi pona ko remplacer bango en cas ya likambo. Donc, actualité na biso ya mokolo lelo et suki wana tokobosa na pété que l'accusation est allée confusée toujours dans l'ambre de l'opposition, bazali kofunda Denis Kadima na ba membre mususu ya CENI que ba aligné ba membre ya ba famille na bango ba mususu batie ba si na bango ba mususu batie ba ndeko na bango. Donc ba membre belé ya CENI bazali na jeu ya kotia ba candidat Oyo bazali ici na ba famille na bango wana ndetu kusuki sa mama actualité na biso ya mukola lelo ba sujet bize belé na pesi bino matondo bino déjà bo rejoindre biso na live bozali wana na chat. Donc bo se manifester soki za balanwa liboso o landi chez comme télévision topé oyo kinde ko samba olonga tikela biso commentaire et pa iwa pio rejoindre biso ko bosa na ko s'abonner té Zala toujours par des scènes à monter ma bendele kweyate vraiment bisonyon sotozali basuda mapinga po na basuda na biso soki far des azola ta tenu asika bo moni far des apesi image asika solo ba mentalité na biso pe fezala yasika pwete et concordé na image ya armé na biso. Donc protection intégrité territoriale les alika ka armé té mais peuple pe il faut avoir la mentalité aguerrie pour être protection il y a écolo et à la affaire il y a bateau nyonso vous partagez car vraiment vous hésitez de vous partager samba olonga aza en ligne encore une fois de plus na souhaité bino les bienvenus na plateau yaba éclairé kaka ndenge na outil hotel sabino ngo na sommaire. Et c'est ce qui est après demande il y a Rwanda information Oyo et Bimakina Rwanda depuis mois il y a mars que Bango Bazali a proposé Vincent Karega comme ambassadeur na Bango na Royaume il y a Belgique, c'est-à-dire Zali le point le plus chaud c'est l'ambassade la plus chaude na espace mobimba ya Union européenne place mingi d'activité et belé et minana. Mais Paul Kagame a sepela ki que après Vincent Karega kovanda na ban atinda ye comme ambassadeur na ye ya sika en remplacement ya Oilumo Alouaki na royaume ya Belgique. Réponse et outil pour quoi ya la Belgique
a refusé. Belgique et Boy. Bien que raison, bango bako bolobamo officiellement te me balobi que décision na bango ezali Niette Vincent Karega ne peut pas être ambassadeur du Rwanda na Belgique. Mituna boza ko mituna nga pe na ko mituna mo bato bele ba mituna ki yango. Pourquoi? Le pourquoi esengeli toye ba d'abord parcours ya mutuyo Vincent Karega. Azali moko ya ba proche batoyo Kagame a utilisé la mingi. Na passé na ye ba yebi ke alikaki na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud e pa ye alikaki ancien chef ya renseignement rwandais opposant moko ya Kagame asikaki asilayi kokufa kuna. Donc il est décédé. Après dossier naïe, décès naïe, moussousou le soussou, batantaki obomaye. Les autorités sud-africaines, ba monagi ki zalaki trop. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Ba benganaki Vincent Karega, na délégation, naïe ambassade, ba tubele, ba benganaki bango. Ba lobby, pe ba sali communiqué ba lobby. L'Afrique du Sud ne peut pas accepter que Bakende ko mboka na bango ezala lokola terrain choisi pour na préparer ka assassinat contre ba opposants politiques yango ba bengana ki atelingani ba lobby pour na bango ki en tout cas ba limité que avant dans l'issue na mboka na bango. Amika qui peut déjà une fois qu'il y a dans Congo à l'époque de Joseph Kabila, ça n'a pas aussi tenu. Aïe pour réapparaître l'époque qui a président Félix Tshisekedi. Lorsque les relations diplomatiques, ils allaient qui pas bonnes mais ils allaient qui stratégiquement stable. Tout est bien que qu'il y a naïe awa na République démocratique du Congo, il a été très arrogant. C'est comme si le rôle qu'il avait pendant qu'il était ambassadeur, c'était celui de provoquer, sachant que les Congolais seront frustrés pour tout ce qu'ils sont en train de connaître et ce qu'ils ont connu. Bah propos, il y a Vincent Karega ou Tazala qui a en Congo, ils avaient qu'à propos beaucoup, ils avaient qu'à susciter colère, peine, indignation à l'opinion publique. Pendant que Kinshasa entretenait de bonnes relations avec Kigali, Vincent Karega était toujours prêt, chaque fois qu'il parlait dans les médias, de tenir des propos insupportables. Donc là, Kinshasa trouvait qu'il y a intérêt à Nanoumala pour garder. C'est comme ça qu'on a vu Vincent Karega pousser des jours à continuer, opinion à réclamer qu'il y a qu'il. Suite à des tensions multiples, bah, tensions élevées, parce que Karega wana batuba yebite certains renseignants comme bah, renseignant Moussousouya, Paul Kagame, parce que le système rwandais, si vous maîtrisez le renseignement, malamu te bako kotiayo ambassadeur, te bako kotiayo te libanda ya mboka pour représenter mboka na bango. Donc Kagame a pris soin de former ses soldats. Bah, homme naïe, batunaïe, nuance, bah, diplomate et rwandais, ce sont des espions politiques. Donc, il a tenu compte vraiment de l'exercice mission naïe na batu. Donc, Kagame, batu mingi oyo a utilisé à l'extérieur du pays, bazalika batu oyo, baza spécialement choisi et formé pour un but. Après Kanda Awa ya Kinshasa vis-à-vis na bajisma ya Kagame après rupture ya ba relation ba bengani Vincent Karega il est allé biso to kanisi que cette fois-ci a kovanda na bande de touche to a kopé ça y est poste moko à l'intérieur du pays mais le rôle la mission na ye ezali que il faut jour libanda il a été forgé pour ça. Assassinat des opposants politiques, création des réseaux dans des pays où il arrive, il a l'intention de créer toujours des réseaux. Il a annoncé en Belgique que Vincent Karega est le prochain ambassadeur pour remplacer Oyo Azalaki Kuna Azalaki déjà connu.
après méditation, après réflexion, Belgique est bouillie. Belgique est bouillie pas maté parce que les opposants politiques de Kagame, bah Rwandais, Oyo Baza, d'accord avec la politique de Kagame, na Rwanda, et l'image qu'il a pour ce qu'il fait en République démocratique du Congo, bah il y a qui cause la pression dans le gouvernement belge que Kagame a couru côté d'ambassadeur rwandais, bandi mayete. Et notamment aussi les organisations, les mouvements de pression des sociétés civiles, il y a Congo, au Bazan, en Belgique, bah, au Sakiton, pour la prévue de ce gouvernement belge, que cet homme-là ne doit pas être le bienvenu ici. Mais dans tout ça, le gouvernement belge voit aussi ses intérêts parce que ces derniers temps, le gouvernement belge a zali pour entretenir une bonne relation dans gouvernement congolais. Le rapprochement du président Félix Tshisekedi et le roi du Belge a quand même une incidence, une conséquence pour les alliés palpables dans la relation entre Belgique et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire Belgique, malgré la carte du gouvernement, il va continuer à bêler au bazar, la tendance à Félix Tshisekedi comme quelqu'un qui n'est pas façonné pour répondre à leurs intérêts, bah, ça va continuer à faire croc en jambe en suivant la politique française. Mais néanmoins, il y a quand même des esprits qui ont compris qu'il faut adopter cet homme. Donc pour leurs intérêts, la Belgique a plaidé, même ceux qui m'ont dit que Malongate, mais la Belgique m'a plaidé auprès de l'Union européenne pour le soutien de l'armée congolaise. Donc l'Union européenne, France, na ba Allemagne ndé mutu bazali na mo a dire kuna ya makasi bazali ko chape pression les autres pays. Donc on a sur le plan ya ba décision bazala ka pena efficacité ba pesi kaka 20 millions ya pamba na soutien na 31e, je ne sais pas si c'est 33e brigade na biso ya FARDC au bazan na front 20 millions de dollars ba pesa ke ko. Et il y a des échanges qui continuent entre la Belgique et la République démocratique du Congo sur base de la vision, sur base de la manière où Félix Tshisekedi a zali pour entretenir la relation avec la Belgique et avec le Congo. Ce qui peut s'imiter, c'est que le Congo est déjà très avancé. La relation belge pour la jeunesse congolaise d'aujourd'hui ne voit même pas la Belgique. C'est la Belgique qui a, à se rattraper. Et puis, quand il y a la conséquence, il y a l'environnement politique qui a évolué entre la Belgique et le Rwanda. Le choix est clair. Si la Belgique acceptait de prendre Vincent Karega comme ambassadeur, nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique, cela allait vexer les Congolais. C'est-à-dire que cela n'allait pas être sans conséquence parce que pour la communauté congolaise, pour les Congolais, pour une amitié Manabango, pour la plupart de Belgique, ils allaient sous-souter et ils allaient très mal vivre. Il y a une Belgique, une décision sage pour préserver le climat serein qui règne entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le lobby criminel Wanacha Makolo a été assassin. Parce que Kuna, il va là-bas aller en mission, toujours dans l'habitude, na yemusala okende kosala kuna eza ko boma batu, ko créer ba réseau, il y a kenda kandé pona ko implanter ko tcha ba réseau. On n'ignore pas qu'il y a des réseaux rwandais, mususu pe oyo bazali ya Kagame na Belgique, mais lui va aller pour amplifier ça. Donc, ces derniers jours, Kagame qui est en train de perdre la plupart aussi, Aza n'a qu'à perdre ma collaborateur Naïe Moussousou parce qu'Aza n'a pas besoin de sous efficacité. Alors que la riposte congolaise en termes diplomatiques est en train de s'asseoir pour Paul Kagame, Aza n'a pas besoin de ma collaborateur Naïe Moussousou et Aza n'a pas besoin de. Le gouvernement congolais aussi, toujours allant dans ce même sens, n'a pas jusque-là remis d'invitation na secrétaire général y a francophonie pour na 9e jeu pour les alliés qui sont cadre francophonie dans le Congo. Awa Louise Mushikiwabo Awa a coûté ma communauté parce que tu as eu une invitation pour faire ça
un mois avant, deux semaines avant, trois semaines. Pourquoi jusque-là, Azu a monté? Le gouvernement congolais n'a pas encore communiqué dessus, mais l'information que nous avons est que Louise Mushikiwabo a invité le gouvernement congolais. Et bien évidemment, tout aussi tout yébi que la Rwandais, délégation rwandaise qui a été nagée à francophonie, l'athlète na bango va participer vu le climat morose qui règne entre le Congo et le Rwanda. Et le public qui est devenu de plus en plus hostile parce que le public sera congolais à majorité. La République démocratique du Congo, l'animosité qui caractérise aujourd'hui maintenant la plupart, les sentiments qui animent la plupart des Congolais, les sentiments moroya kanda vis-à-vis de tout ce qui concerne tout ce qui y a trait au Rwanda. Il y a un peu de athlètes qui ont été. Mais dans le cadre de la francophonie, la secrétaire générale de la francophonie, qui est un proche de Kagame, moi, je suis un peu de espion. Je suis un peu de temps. Kagame a façonné à travailler mingi à quoi il y a Congo. Donc, le Congo. Tout le monde peut que nous sommes tous les gens qui sont morts. Quand nous sommes tous citoyens libres, nous sommes tous les gens qui sont morts. Nous sommes tous les gens qui sont morts. Mais le gouvernement peut repenser le rôle de Bissot. Quand nous sommes tous les gens qui sont morts dans le contexte diplomatique. Mais logiquement parlant, sur le plan diplomatique, on entretient toujours les relations. Parce qu'aujourd'hui, l'ambassadeur congolais continue, l'ambassade congolaise continue à fonctionner au Rwanda. L'ambassade de Nabiso, le service, c'est ça pour continuer pour ça, les Rwanda. Donc, elle peut venir, tout éviter, si ça va intervenir, le rôle à maquiller les gens pour ça, les Mabou, si le gouvernement congolais va intervenir. Mais, néanmoins, le gouvernement congolais doit prendre toutes les dispositions et nous savons que la disposition, c'est Zouamaki. Le gouvernement a communiqué, la bouche du président a parlé la semaine passée qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été prises, des patrouilles mixtes de la garde républicaine, de FARDC et de la police pour assurer la sécurité pendant tout ce jeu-là de la francophonie. Batebele bazali ko craindre balobia bino bobengi si baja francophonie bino na francophonie na bino wana mutu wana za la tête à francophonie za rwandaise. Aza pion ya Kagame, bakoya kokotsa lisusu insécurité, batlete ou bakouta na Brazzaville, bakokotsa la bino basoda. Soyons quand même aussi clairs. Bakouleka batlete wana bakbayaki a bakotaki. Ils viennent avec une délégation, ou basi ba annoncer en avance, via ambassade na bango ki délégation na biso ezoya na autant de personnes. Donc ambassade na biso kuna eza informé, puis va transmettre information. Toutes les délégations qui viennent passent par nos ambassades accréditées dans leur pays, Bazali, pour notifier, pour la procédure de Ngesengeli. Autant d'hommes, autant de femmes, Bakozalaboué. Tant Bakoyawana Boufouye, Bamote. Donc, Dengébaye, Bamounion sort, ils sont passés par nos services de migration. La DGM a fait son travail, l'ANER fait aussi son travail. Donc, il n'y a pas de légèreté là-dedans. Ne confondons pas les questions sécuritaires et l'ambition que nous avons aussi d'ouvrir notre pays au monde. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Batumusu Bazako continue comme on a bon côté. Il y a francophonie, au Félix Tshisekedi, président de la République, à ce pays que nous avons au Congo. Nous avons pratiqué à un moment les sports. Nous avons vécu dans ce pays pendant le nombre d'années que Dieu nous a donné. Bamoussou se peut vivre tant d'années. Les infrastructures sportives, Oyo Félix Tshisekedi a pu s'abuser aux occasions Tozoa. À travers le jeu de la francophonie, n'ont jamais existé depuis que le Congo est Congo. Bas sport Moussou, na Congo Koutou, ils ont un espace T. Exacté.
vous trouvez comme le basketball, tout ça, ceux qui sont 5 fois champions, ceux qui sont 6 fois champions d'Afrique. Mais au Kenya, dans le stade des martyrs, au Tali, terrain à basket, Oyo. Léopard Nabiso, il y a basketball, bah, Léopard Nabiso, il y a Mbaganamo d'équipe. Pitoyable. Donc, il n'est pas dit que parce que nous avons des questions sécuritaires, nous avons fait que les autres secteurs ne peuvent pas décoller. Non. On ne peut pas abandonner un secteur sous prétexte que non, tout le monde est là. Ou bien, il y a des gens. Si nous avons des Koulouna aujourd'hui, quelque part, nous ne savons pas que les élites aussi par manque des structures d'encadrement à la base qui peut permettre l'épanouissement de ces jeunes talents. Bah, nous sommes dans la case de l'année basketteur, nous sommes dans la case de l'année bon joueur, mais le terrain n'y a pas. Ils ne souffrent presque pas. Le terrain au l'État, à Bongisi Bouyatien à disposition, bah, j'ai Mouana. Ils ont une structure et encadrement même dans le milieu scolaire. Il faut qu'on permette que Bana Oyo Bazana talent sportif va évoluer exacté. Aujourd'hui, grâce à ce jeu de la francophonie, Félix Tshisekedi, à travers sa vision, nous permet d'avoir ces infrastructures. Moutignon Sozabo Mona, Bissoba de Tosu, après le jeu de la francophonie, le Congo ne sera pas le même Congo sur le plan des infrastructures sportives. Donc, ce que vous avez au route à boulevard Lumumba au Cotin de la Wana, nous avons les Gatata Raphaël, nous avons les Gasta de Martyrs, au Kumona autrement, parce que il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans, tant que les Kawana au Mona Bengi Moussous, et vie des autres infrastructures qui sont en train d'être créées. Tout ça, c'est le développement. Donc, quand on a mis ça à Rwanda, quand on a mis ça à guerre, tout ça, quand on a dollar pour Mata, et que vous avez que. La sécurité, ce n'est pas nous qui avons le devoir de sécuriser les pays. Nous nous alertons. Mais si vous avez des gens qui sont malades, pour infiltrer, tout ça. Non, arrêtez de spéculer. Encourageons nos FARDC. Si vous avez une démonstration de force, vous avez présenté les gens. Malgré que je n'ai pas eu le temps d'en parler quand c'était très chaud, mais vous avez vu que ça réjouit les esprits. Même si ce n'était pas à l'est du Congo, comme les autres en parlent, mais nous nous sommes réjouis de cette image-là de nos FARDC. Une armée moderne. Si tout le militaire congolais allait dans ce sens-là, Nathanisi que Ntoro Sakananabi soit azaté. Mais il faut insister sur les mentalités au sein de notre armée. Tu as vu que la jeunesse congolaise au bas au côté armée, la masse, question et discipline, il faut les à la vue. Avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Parce que jeunesse, à moi, l'éducation est à base, l'école est à base, la génération est à Kabila. Il faut vraiment que vous ayez la discipline, la rigueur est à Kosakanate. Sinon, pas, on aura des militaires indisciplinés. Pour que vous il faut que tout ça soit à base, on aura des militaires moins professionnels, sans vraiment il y a patriotisme, pour vous allez à base. Donc, tu as été un instructeur dans le bisso, tu as tenu compte, il y a époque, tu as recruté dans le bango, tu as recruté à l'époque mine. Mentalité dans le bango, tu as été mine. Et ils sauront quelle matière ajouter, quelle stratégie adopter pour la conformer, tu as le wana. On sait toujours que dans l'armée, il y a ça. Donc, point où il y a Louise Mushikiwabo, je suis dit que tu as été point moko. Très important, le gouvernement congolais a déjà fait bien, ça sera notre fierté. Les médias au monde entier, vous allez tout le monde, peut RTNC, à travers ses activités, non seulement la RTNC, mais même l'université de Kinshasa, les étudiants ont vu tant que vous avez remplacé, après le départ, il y a des athlètes qui ont occupé les hommes dans le monde, ce sera la fierté. Et vous allez appeler la fierté, standard Wana. Pour nous, étudiants, on a fait combien de dollars, ceux qui ont commencé 50 dollars l'année pour nous louer une chambre. On a évité ceux qui ont commis 100 dollars, parce qu'à notre époque c'était 30 dollars. On a évité ceux qui ont commis combien. Ils ont belé. C'est profitable, mais nous avons union, ils ont été là. Donc, nous sommes à la Nango. Martin Fayulu. Yé a tiki mino pété. Martin Fayulu a lobby le 29 marche les Ali. Meeting, ils ont un terrain Bouddha. Pour l'embattement, il y a un terrain Bouddha, c'est
dans la commune de Ndjili, l'entrée quartier 1, dans la ville de Kinshasa. Donc, dès que vous êtes sur le quartier 1, à Martin Fayoulou, à Bumisi Minoulou Naye. Mais, Minoulou Naye, Azali n'a droit. Il y a Kousala Minoulou Wana. Minoulou, Azali m'a bêté. Azali peut quelque part pour façonner l'esprit à bas Congolais na opposition. Mais yé moutou abongisi Minoulou Naye. Est-ce que intention naye Azali vraiment que marche wana Azali pour l'intérêt à la République démocratique du Congo peut pour bas Congolais? Martin Fayoulou Azali pour marcher parce que pour Nabango va trouver que la CNI ne les a pas écoutés. Sans fichier audité par des auditeurs externes à mon élection exacte. Tant batuna qui Martin Fayoulou mutuna ouyeba aucune élection toté. Non, le boycott n'est pas de notre langage. Nous irons aux élections, mais il faut d'abord un audit. Ils ont la complication sur complication. Complication, et Zali Kobakisama, Nicolo y a complication. Complication, et Zali Kobakisama. Kobakisama. Si Koyo, j'ai la francophonie et Kobanda le 28, ouverture dans les années de 18h à 20h, le 29. Tu vois ça, la nan stop, tu y a le président Yemi Martin Fayoulou. A ça, la nan marche naye. Comme ça, ceux qui marchent, Sili, allez, Bajé, Kouyoukoubanda. Certainement, l'analyse que nous faisons, c'est que Martin Fayoulou n'est pas dans la logique de ce qu'il cherche véritablement. Azana logique, il y a pour distraire, paix ou bébisa, ou ils ont prévu. C'est-à-dire, Missou Yabatou, ils ont la macambouya francophonie, Missou Yabatou, et ça a un événement qui a prévu. Donc, je vais s'ajouter pour s'ajouter pour que nous avons bousculé pour créer une sécurité. L'idée ne vient pas certainement de Martin Fayoulou, l'idée vient d'un laboratoire. Mais comme on sait que frère Martin est fait pour nous distraire, c'est lui d'habitude qu'on envoie dans ce genre de décision parce que je dis que je suis un peu plus grand, il y a ses données. Nous savons que dès le début, les jeux de la francophonie ne préoccupent pas. L'idée n'est pas celui que tout ça va marcher pour la grande élection, non. La plupart y a bateau au Bazali, na Martin Fayoulou en opposition, bah le but aucune élection t, Audi et Salamité, Seniéza Clarité, bah déjà bah député, bah candidat député, bah comment on a bah moi ils ont validé pour moi. Beli c'est ça na ya ça ni mine déjà ça député. Martin tapon yon a manié moi. Azad député, bah si, bah déposer ma candidature. Mais il n'y a que Matata Martin Fayoulou qui, avec son décidé, ne va pas déposer les dossiers. Bah n'inga bah ouais les boutou boutou. Ah Toyoki, bah qui s'est bah on a 5 jours pour bah compléter bah dossier pour tous ceux qui se sont enregistrés mais bah dossier ils a complété. Franchement les Congolais. Congolais, Zagaga, Congolais, il faut délivrance. Il faut prier pour qu'on délivre les Congolais. C'est vrai, nous sommes délivrés, mais bah, c'est quel les amas. Banda Kalawa, Baza Kobeli, la candidat, Baza Kobeli, la bino, Bokani Sakaba dossier. Mais même si on a la fière, on a la carte prudent, le dossier n'y a pas de kangisi, on a tiré Pembeni. On a la spéculation. Talandenge, on a la lipongi. A comme on y m'a dossier dans ma boue. Une heure du matin, yon a séné, on va clôturer l'eau. Ma déposer, déposer, ma dossier, ma moussou, dossier incomplet, na koti sakaka, ma moumou, ma roubé nanaï. Tu vois, vieux Martin, tant que l'on va dire que Martin Fayoulou n'a pas les moyens pour s'engager dans les élections. Il a été payé pour distraire. Bato Bazawana, lui, a déjà fait allégeance à la politique de Moïse Katumbi. Il va distraire l'opinion. Il est jeune à Yakubanda Kosala Ndeyango Wana. A Kobeta Calcul Wana.
tantôt à gauche, tantôt à droite, nous irons, mais pas comme ça, machine à voter, pas machine à voter. Si vous allez encore vous embourber davantage. Si vous avez déposé ma candidature, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que je ne peux pas continuer à faire du théâtre alors que je vois les choses déjà se passer sérieusement. Je peux faire mon opposition d'une autre manière. Na salopette na yepu alobi to kaboni na kandate. Vraiment, je garde toujours bonne image. Il y a élu du peuple, commandant, soldat du peuple aux aliments. Na zona mu chemin mususu. Ko a na zo mona sou clarté. Le théâtre a un moment, même biso ba tous la ka devant l'écran na biso. Vous avez un scénario, une fiction, mais c'est toujours pour un moment et ça finit. Mais oh, au théâtre, il n'y a pas de maintenant, ce qu'on doit voir, c'est que manifester l'objectif, c'est de créer l'insécurité, créer le désordre. Quelques badauds qui vont sortir pour voler les téléphones, pour profiter parce que c'est tout ce qu'on a l'habitude de voir. Quand des manifestations comme ça où on paye des jeunes gens, la conséquence, l'inconvénient de ces manifestations, c'est que tant que vous dispersez, le téléphone est à maman, il y a battu, on approche à battu et on sait la suite. C'est nous voulons donner du travail à la police, au lieu de la préoccuper, de la concentrer. La leçon de l'opposition est bien retenu par Martin Fayulu. Donc, Atali na Mukanda, il devait s'articuler à l'oubli, voilà. C'est dans des pareils moments qu'on doit donner du travail à ceux qui dirigent. Il faut tout ça dans mon choc. Parce que dans le moment où on a un bazar coincé, vraiment, tu peux faire ça exercice. Mais quelque part, nous sommes tous au monde qui est blague. Mais ce n'est pas de la blague. Notre pays court des dangers, j'ai renchéri ici, notre pays court des dangers par rapport à ce qui se passe dans la Mukuna et Brazzaville. Et l'opposition joue à ces jeux-là de l'insécurité. Tikatomek. Ah. Que ceux qui sont payés aux Arabino na Michopo na Monique et beaucoup Faliwa et Michopo Libanda, pour mes canabino, puisque tout ça n'a problème. Dialogue. Dialogue et la culture dans la démocratie, nous sommes les dialogues, on en parle, les dialogues au Congo, chaque fois que ça ne va pas, dialogue. Mais dialogue dans le Congo, et c'est comment font le commerce, la société civile, ya oba indépendant, ya mutumoko, avant d'akimbo, mwesilie, azali sou n'eloko pour ça, la thé à rebondir politiquement. Dialogue. Ndenge biso toyemeli yango na culture ya démocratie eza dialogue tendenge ezalaka na Congo. Na moment toza koloba awa, tout ce qui se disent opposants, même Joseph Kabila, bazali na vision commune ya ko imposer eloko babengi dialogue. Asi n'expliquer mon abbé Michel Ndeki que ezali forme ya résistance oyo bango ba créer pour continuer à exister politiquement, parce que leur mort politique est déclarée. Martin Fayulu, qui parle des élections, Kadima ne va pas organiser de bonnes élections et autres, vont tous dans un schéma où ils veulent un dialogue. Ce dialogue-là n'est pas mauvais. Essayez un peu de réfléchir ensemble, trouver les cadres pour organiser de bonnes élections. Comme un peu à l'époque de Kabila. Donc, Moutouna Moutou, Azaro Lukasani na ye a voulu la Sassili Sani a l'obin Zoumou Balié la Yangouana. Et c'est le tout qui est dialogue. Mais cette fois-ci, le dialogue dont on parle est initié depuis l'extérieur. Basi Bakendaki Libanda, Bapesi Bamo test. Bozonga Nakati. Le dialogue ne peut pas s'imposer comme ça. Si ce n'est pas l'opinion qui va accepter cette idée. Ça doit être un événement qui permet à ce que la communauté internationale aille maintenant qu'on s'impose dans le jeu de la voilà, vis ceci, vis cela, tout ça,
Consolidé que dialogue et ça les manakongo. Et là maintenant on verra des diplomates qui vont déambuler de gauche à droite pour venir dire à Tshisekedi fanda na opposition. Semaine passée, comité laïque de coordination, professeur Isidore Ndaiwele na batunaye, basangani, babroussier tableau, y a tellement politique d'engézali, il est important que le président de la République puisse s'asseoir avec les différents acteurs dans la partie prenante pour trouver un compromis et qu'il y ait la paix dans notre pays. Et c'est la cacale, mais le discours de ça. Mais tant que nous avons un fond, c'est du commerce purement et simplement. Et sa stratégie, c'est que nous avons un fond. Tant que nous avons un fond, nous avons un fond. Nous avons un fond. Nous avons un fond. Nous avons un fond. Déjà, pour nous avons un schéma, il y a 1 plus 4. Tous les sous na virage à modèle ou anaté, awa, bamoussou se faut bakoufa. Koukou fezaga gate ou koufi to tchou na serke, bakoufa politiquement. Le seul virage qui a permis à ce que des bandits d'État, des rebelles en brousse, quittent la brousse, puissent venir rejoindre la table du dialogue, c'est celui initié par Étienne Tshisekedi. Kabila coincé, qu'il a accepté. Pour tout comme on a bah RCD, bah MLC, RCD MEL, RCD si c'est quoi, tous ces voyous que nous voyons, voyous politiques. Oh le lot de lui c'est ça, avec bien un beau ce voyou, mais il ne sait pas nous dire, lui qui est civilisé, comment il s'est retrouvé en brousse pour aller parler avec les armes. Il dit non, c'était un devoir républicain, il n'avait pas le choix, il n'avait pas le défendre. Dialogue ouana et même les biso, ma politicien venu de la brousse. Ma politicien au bandima qui, comme les Rwandais, d'aller choisir des tenues militaires. Bakenekuna. Certains ont la chance aujourd'hui de nous parler un bon français, d'être parmi nos politiciens, d'avoir des partis politiques. Seuls les Congolais qui ne maîtrisent pas l'histoire, ne baza ko kota na ba parti, mi kotila kotila, ne baza ko analyser te. C'est qui ce leader? Il vient d'où? A Outaka Wapi avant y'a créé parti politique. Tu vois, l'élo, Batou Bazali, Bakéi, Kosanganana, communauté internationale. Complot, Oyobango, bâti en place. Le rôle à l'Iwa est ce qui est de s'imiter. Créer des rébellions sur toute l'étendue du territoire. Dans le bagage, l'oko, avant, dans le bi, ils ont un plan Mouya Mabé, mais plan Wana. Ils ont en États-Unis. Bande de musulmans bengangai, non, ils ont musulmans bolubaga. Il faut pas vérifier. Tolo baga makamu oyo, tu méditer à peu malam ou avant tu as couvert carré. Abi, ils ont un mauvais coup. Ils ont couvert en États-Unis. Basa en préparation, soit va éliminer Tshisekedi, soit va créer, va événement où Tshisekedi a couvert pour gérer ti. Je dis pas un autre pays, mais les États-Unis d'Amérique. Ma province, c'est au total 6 pour le a besoin de créer des événements. Si nous n'obtempère pas par rapport à leurs injonctions, je vais faire des choses. 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 Je vais faire. Aujourd'hui, les lobes vidéo, ils allaient. Pour ceux qui peuvent aller vérifier, ils savent que tout le monde va faire. Cette insécurité qui a été créée, ils ont créé sciemment. Pour faire fléchir Tshisekedi anima au négocier du Kamuyaba minéré oyo. Maintenant, ceux qui disent par leur bouche dialogue, celle-ci, à l'objet semaine passée, dialogue. Martin Fayoulou, à l'objet, il faut qu'on solo là. Il faut trouver moyen d'aller au dialogue. Bah, oyo moussou soukoto yo moukwenge qui s'ajoute toujours. Parce que. Ce que tu as dit, c'est que tu as attaqué dans le bateau. Tu as dit que tu as été en train de se retrouver dans le rang de la terre. Cette question devait être normalement posée à Denis Mukwege. Comment il s'est retrouvé, lui qui était docteur, membre de la société civile, dans 4 ans, il y a la politique active pour que tu aies été en. Si cela n'était pas le résultat d'un complot international. Nangongo et Tozali Koloba, le schéma du dialogue
est là sur la table. Mais baza ko luka moyen nini ba ko kotisa la yango. Bolobaki tozo ko kende l'élection, Tshisekedi n'a pas l'intention d'organiser les élections. Tshisekedi a pesika di maba moyen aller aux élections. Té l'élection wana za yango té za malamu té dialogue. Mais inspirez-vous de ceux qui ont demandé le dialogue dans le passé, comment ils le faisaient. Et Tshisekedi, ce qui allait faire fléchir tout le monde, Moni Batounion va finir par s'accorder. Il avait la confiance du peuple congolais. Ce qui a dialogue, si on a mis nos Batounion, se sentir pendant que dans l'opinion, tout le monde veut qu'on aille dans ce dialogue-là parce que Tshisekedi est dedans. Si on a tout ça pour ta là, ce qui les quatre mousquetaires, ce qui les trois mousquetaires, tout ça pour mon âme. Qui est celui-là qui a la confiance du peuple congolais pour dire au peuple congolais, voilà, la solution que nous nous proposons, c'est d'aller au dialogue. Et quel est le bénéfice des Congolais dedans? Exacté. Mais les résultats, il faut qu'on en parle, parce que nous avons connaissance de la majorité des hommes qui composent notre classe politique. Awa, Nino, vous allez vous regrouper déjà. Donc là, bah, joueur, avant d'apprécier à Tchabu, à Zakoubima Orji. Ce que les gens ignorent, c'est que Félix Tshisekedi, pendant ces 4 années, outre l'expérience qu'il a de la démocratie, Makasi Oyazwa qui est en opposition, avant, bah, toi, pour accéder, aya pour accéder au pouvoir. Il a maintenant l'avantage que donne le pouvoir. Dans le sens Yamabete, le pouvoir donne toujours une longueur d'avance. À moins que Mutu Oyo Azali, Kosa il a pouvoir, Wana Azali intelligente. Mais même s'il n'est pas intelligent, il peut s'entourer de gens. Nous avons vu Joseph Kabila. On pensait qu'à Kosa a 3 ans, Azali 18 ans. Parce qu'il a réussi à manipuler tout le monde. La stratégie que lui avait, c'était de mettre tout le monde à l'aise, na poche naïe. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, et que vous avez loyal, je n'aurai pas de problème avec vous. C'est comme ça que pendant 18 ans, aucun ministre n'a été en prison. Parce que c'était ça la stratégie de Kabila. Moi, je vais prendre les gros morceaux. Les Congolais bêtes qu'ils sont, ils seront derrière les femmes, derrière la bière, derrière les immeubles et l'argent. C'est comme ça que Kabila a été en sécurité pendant toutes ces années. Parce que les autres, quand ils analysent le pouvoir de Kabila, ils ignorent quelles sont les méthodes, les mécanismes par lesquels Joseph Kabila a procédé pour avoir la loi dans la sécurité. Il s'est fait des oligarques, il s'est créé des bourgeois autour de lui. Bayi bakana bango, basala bango bako sala Italie yete. Yé pas zo sala commerce na yé à côté, aza ko livrer pe kagame à côté, mundela aza ko kota aza ko bima, muta ko pekisa azati. Si vous réfléchissez comme ça, vous n'aurez pas le temps de comparer l'incomparable. Dans Kabila, Tshisekedi siko, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas l'histoire, qui ne connaissent pas le mystère qui se cache derrière les 18 années de règne de Joseph Kabila. Dialogue Oyo et vous allez déjouer par Tshisekedi. Il a une longueur d'avance. Peu importe les circonstances, c'est vrai que les élections peuvent ne peuvent pas avoir lieu. Tant que le Bamakamou va tout seul, le Baka, t'es boutique pour une élection, pour notre bien. Pour notre bien, nous Congolais, il faut que le Congo, Tshisekedi a reprendre le contrôle de l'ango Mobimba. Faire des élections, parce qu'il y a fallu la Zako Lubango, Tobatumusu Bazako Lubango, sans béni, sans boutembo, pour leurs intérêts. Faire des élections sans ces coins-là, et ça qui est au côté, nous devons aller aux élections. C'est vrai, hier, nous avons aussi tenu ce même langage. Président Palubaki, Batumusu Balobi, Togo Kosa, Kokindika élection. Et puis on reverra leur cas. Ah, Batumusu Balobi, Togo Kind élection, t'es sans banni noir. Mais dans
la vision que nous voyons ici, cette insécurité fait que les élections ne puissent pas se tenir dans de bonnes conditions. Si nous suivons bien le discours de Denis Kadima, Azakota le sait clairement que c'est le souci des alliés sécuritaires et financiers. Pourtant, tout autant là-bas, conditions sécuritaires, ils ont mobilisé les moyens et belé pour Nambo Kanabiso. Logiquement, on ne peut que mettre l'accent sur ce qui peut nous amener une paix durable. C'est ça la logique d'État. Félix Tshisekedi a une longueur d'avance parce que, premièrement, il y a eu des millions de bandits. Ça, c'est là, le premier avantage. Le deuxième avantage, les alliés de Moutou, ceux qui ont commis les coulons à Bino. Et moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Bino peut boire à Bino, mais il est en train de me faire un peu de temps. Les renseignements qu'il a, les informations qu'il a, tout le monde ne les a pas. Il paye à quoi que tu as dans. Est-ce que renseignement, Félix, c'est que tu as dans le bon goût? Il y a un système qui est évité. Les informations qu'a Félix Tshisekedi sur son opposition. Est-ce que ba yebi réellement ou mutuana zo penser pour na bango ba yebi. Donc pour mettre fin à ces points de dialogue, chers frères congolais, mobilisons-nous. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections sont une obligation, pas une obligation, mais sont une culture démocratique. Mais dans le contexte qui est le nôtre, nous devons nous mobiliser à travers des mentalités nouvelles pour que nous ayons de bonnes élections. Parce que certaines personnes pensent que Makambo Oyo, il y a dialogue, les agales Kambaza pour gratter. C'est un grand complot qu'il faut dévier. Mais il est déjà dévié parce que en face de Félix Tshisekedi, les gens sérieux ne sont pas. Toujours pour la relever là, dans le cadre de l'élection, dans la marche, dialogue aussi, les députés, vous avez une image qui est défilée, les députés, 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 pour la plupart des membres de la famille na bango pour la suppléant na bango. Mais pourquoi créer des partis politiques? Ce qui est dit que la finalité c'est ma famille d'abord pour créer un parti politique pour nous. Résolver tout en famille pour ça la mon famille na bino. Ce sont des gens comme ça qui viennent nous dire voilà les Congo botcha batuna demagogie bino mo mitu na kana coin wana batoma yele musuba zati na parti na ye tamwaza kocha mwasi na ye tamwaza kocha mwana na ye. On comprend que l'égoïsme qui caractérise qui ozo mona penda que égoïsme mona ni penda que avec cette allure ici, tous nos partis politiques deviendront familiales. Avec cette allure, toute famille biologique va finir par devenir parti politique parce que c'est une totale vitesse que nous avons au Kenya et que moyen à vous contraindre à vous et vous allez d'ici 2030, vous en avez combien de partis politiques parce que maintenant vous allez obligé à créer pour le bien de ma famille. Ils ont une entreprise ou tout le monde, ils ont un parti politique. Je vais créer aussi les miens. Voilà. Ils ont passé. La visite de Sassou au Rwanda et le Bissi Batubé. Nous, nous sommes ici à point où. Nous sommes ici à Bolobi. Demi Sassou Oyo, à Kena Rwanda. À Kekotala Kagame. Pessier, ben loge. Je vous laisse d'abord suivre ces discours de Denis Sassou Nguesso et pour nous revenir.
Poursuivant sa visite d'État au Rwanda, le président Denis Sassou Nguesso a fait une adresse très remarquée devant le Parlement réuni en Congrès. Les 112 parlementaires, soit 80 députés, 26 sénateurs et 6 députés du Parlement de la Communauté des pays de l'Est, se sont retrouvés à l'hémicycle pour écouter le chef de l'État congolais. Dans son allocution, le président Denis Sassou Nguesso a salué la parité qui existe au sein de l'Assemblée nationale. Le Parlement rwandais est régulièrement cité et magnifié par la présence majoritaire des femmes qui représente plus de 60% de parlementaires au sein de votre hémicycle. D'aucuns parlent d'une leçon provenant d'Afrique et donnée au monde. Devant cette auguste assemblée, Denis Sassou Nguesso en appelle à la mutualisation des efforts pour un développement harmonieux de l'Afrique. Convenons que lorsqu'elle s'est unie, l'Afrique a pu se libérer de la colonisation, conquérir son indépendance, vaincre l'apartheid et engager les chantiers du développement. Pour le chef de l'État congolais, ce qui viendra d'Afrique, ce sera la grande fierté individuelle et collective d'être un continent en paix et résolument tourné vers la modernité, vers le développement. La victoire décisive donc pour l'Afrique est celle du maintien et la restauration de la paix, la promotion du dialogue et la consolidation d'un vivre ensemble mieux structuré, gage d'espérance, d'optimisme et de succès sur le chemin du développement. Parlant de la gestion des écosystèmes forestiers et de leur conservation, Denis Sassou Nguesso a dit aux députés rwandais que l'on doit reconnaître à l'Afrique sa dimension de véritable havre d'air pur au service de l'humanité. Ainsi, il a appelé la communauté internationale au respect des engagements pris jusque-là. Voilà, discours à Sassou ya Rwanda ndenge bolandi yango. Monsieur Sassou Nguesso aza kolouer musala ya Paul Kagame, le travail qu'a fait Paul Kagame et le peuple rwandais pour les continents africains. Les alliés louables. Et plus loin, quand il rentre chez lui à Lubi, Makamuya Kutikuna, en agriculture. En tout cas, c'est un modèle qu'il faut copier. Bon. Denis Sassou Nguesso est déjà vieux. S'il faut déjà regarder les choses dans ce sens-là, a commis qu'on prépare terrain pour la bananaï. L'inquiétude des Congolais tant que nous avons un rapprochement, il y a Rwanda, na Congo, investissement rwandais dans les secteurs agricoles. Mais, les gens ne l'ont pas battu bagaté. Le monde est extrêmement capitaliste. C'est-à-dire, chacun ne voit que ses intérêts. Même Dieu qui nous a créés pour un but précis. Son intérêt d'abord. Les vrais croyants savent qu'est-ce qu'ils doivent faire dans les soucis primordiaux. Il y a eu mon zambé. Pour zambé, il y a eu mon besoin. Ça veut dire que chacun se bat pour ses intérêts. Bino Moroz a la frustré Ndenge Nini Soki Sassou à se rapprocher de Kagame. Si, dans la vision de Sassou Nguesso, qui est un dictateur comme Kagame, il pense que se rapprocher à Kagame amène des intérêts pour le Congo Brazzaville. Qui sommes-nous, nous Congolais, pour le empêcher? Il n'y a que les Congolais du Brazzaville qui peuvent aussi se lever pour contester, dire non. Biso ba Congolais, il y a Brazzaville, tout ça pour s'opposer à un dictateur Sassou parce que accueilli pour s'associer à un criminel, un génocidaire, quelqu'un dont on nous vend l'image alors que le dedans, c'est la catastrophe. Mais
bande qu'on a vu sur peu congolais moi à Brazzaville baza peka na musique na mabine le roi ba congolais awa ba yebi na bango peter ba réclamer à Brazzaville bande qu'on a vu sur boli misalanga soki mon on a ngai pe za soupe mais c'est mon constat les congolais de Brazzaville sont un peu mou comme les congolais ils dansent aussi oh ba mon peba va une dictateur au temps moulay ba potani potani awa Sassou partira partira pas boza makasité maintenant Sassou à la fin de son règne parce que Sassou la recommandation avant nous tout écouter la Sassou qui de temps en temps fréquente Félix Tshisekedi les fréquentations oui ça crée l'affection Sassou sait que ça c'est mon proche voisin Sassou sait que ça c'est mon enfant il me rend visite de temps en temps nous partageons les idées mais spirituellement ils sont opposés Sassou est dans la franc-maçonnerie on ne voit pas Tshisekedi dans la franc-maçonnerie politiquement Sassou a ses intérêts ailleurs il doit garder de bonnes relations avec la France on ne voit pas comment Tshisekedi peut avoir de bonnes relations avec la France quand les multinationales françaises veulent entretenir les mêmes schémas de la déstabilisation de l'Est du Congo. Si les banques françaises, les hommes d'affaires français poussent Macron à avoir une position opposée à celle de Félix Tshisekedi, automatiquement, Sassou devient un ennemi parce que Moussala ou Sassou a Zabosala, Sassou il voit ses intérêts, France il faut encourager. A voyager, on a famille dans Mbimbaké en France. A qui sa dynastie, moi n'a dit vous remplacer. Et t'as les sauter. Ce que nous devons faire, c'est de mieux sécuriser notre pays. On sait que notre gouvernement est plus informé que nous. Nous avons la frontière, oui, bien sécuriser nos frontières. Parce que le danger est toujours permanent. En politique, il n'est pas question d'être frère. Oh non, ils ont un pays frère. Nous sommes tous les gens qui sont venus à Brazzaville, les beaux frères à Brazzaville. Mais pour le reste, là, ça ne compte pas les bons sourires, les visites qu'on sera de temps en temps. Beni Sassou Nguesso a déjà dirigé pendant autant d'années. C'est un dictateur qui ne laissera pas le pouvoir dans la paix. Azad a préparé succession naïe. Brazzaville, les alliés royaumes naïe. Il fait ce qu'il peut faire. Donc, pour mes frères qui pensent que Beni Sassou Nguesso, non, Beni Sassou Nguesso est en train aussi de faire la politique française d'une certaine manière. Macron qui était ici n'a jamais condamné le Rwanda. Beni Sassou Nguesso qui va là-bas, il va aussi lui louer un dictateur. Au lieu de faire un conseil, vous savez que non, t'es de Gounangaï qui met le Kinyon, tout bon, il s'est dans la région mon côté. Le président Kagame, les services qu'il a fait pour l'Afrique, lui et son peuple. Ah bon, ma service, c'est ça pour déstabiliser la région au Bimbaboy. Entre temps, il y a des tout comme un instrument, il y a des infiltrés dans le pays. Quand on a mis à Brazzaville, vous êtes déjà dirigé par les Rwandais. Ce que ça souhaite en train de faire, ne soyez pas étonné de voir que dans vos services de renseignement, il y a les Rwandais. Ne soyez pas étonné de constater que dans votre armée, les Rwandais s'intègrent. Quand on a dit que dans le Congo, République démocratique. Et c'est la même chose, c'était ça la vision. Nous n'avons plus rien à dire là-bas. Nous n'avons plus rien à dire là-bas. Donc, pour nous, qui sommes mission à Bissot, nous avons vu que vraiment, nous avons vu que nous avons vu tout est bon qui finit bien. Merci parce que vous allez qui est belé pour l'année émission à Samba Olonga. Vous allez qui me coule belé, nous allons faire l'émission à Sikaté, nous allons dire le bino. Continuez à partager l'information des debout congolais. Envoyez nos liens partout comme vous le faisiez d'habitude. Laissez-nous un commentaire si vous êtes satisfait de nos analyses. Si vous partagez aussi des analyses contraires, nous restons congolais. Réfléchissons ensemble pour que nous soyons. Tout le monde boka na biso musika matondo mingi na ndekumbi ya chako azalaki na sima ya kamera ope na réalisation pour émission et comme la bino na tondi botondi na papa apôtre Gérard Kabeya qui s'est enrôlé aujourd'hui en tout cas félicitations na ye candidat député ya Tchango bana Tchango bo soutenir ye pe mingi merci mingi na
Papa Jean-Louis Timbalanga, l'homme de la vérité des jours, à maman Lisette de Mungendou, à maman Bill Honda, merci à papa Boniface Mpunga, merci à papa Freddy Ngwama. Restez toujours à l'écoute de Debout Congolais. Restons debout, on se retrouve prochainement avec une autre émission.